dit Rosine, j'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc on se retrouve pour un glitch assez spécial puisqu'il suffira de gagner de l'argent. Donc en faisant une manip très très simple. Donc vous voyez que j'ai dupliqué des véhicules. Vous devrez dupliquer des véhicules pour gagner de l'argent. Donc très simple. Moi je vais prendre une voiture. Donc il devra rester qu'une seule place dans votre garage. Pour moi, elle est juste à côté de la voiture de la Zentando. Donc moi je vais dupliquer la comète. Donc très simple, vous sortez de votre garage avec le véhicule que vous voulez. Donc d'abord, je vous préviens, vous devez avoir un garage où il y a une place de véhicule et celle-ci où il y a un garage plein. Donc vous achetez, des petites enduro ou des petits véhicules pas chers. Donc après, voir des mines de proximité. Donc très simple, hein. Vous mettez devant le garage comme ça et vous sortez. Prenez la mine de proxy. Je sais plus si il m'en reste 3. Voilà, donc vous l'achetez à peu près ici. Voilà, vous montez dans votre véhicule. Prenez un peu plus d'élan. Et là vous foncez. Et là, voilà. Donc dès que le petit message s'affiche, c'est que le glitch a fonctionné. Et que votre véhicule explose, c'est que ça a fonctionné. Donc c'est nickel déjà. Donc là la manip, je pense que c'était ça le plus dur. Ouais, c'était ça le plus dur. Donc après vous avez juste à voler un véhicule dans la rue. Ça simple, hein. Voilà. Ensuite vous sortez votre portable, vous appelez Mutuelle Morse. Et dès que vous êtes devant, vous activez et vous foncez dedans. Voilà. Donc après vous allez rentrer dans le garage. Et après vous allez aller tout au fond pour changer de place un véhicule. Et donc personnellement moi c'est celui-ci. Et moi je vais le mettre à la place d'ici. Et je vais activer. Et voilà, donc j'ai une comète déjà. Donc à ce moment-ci le glitch est presque terminé. Donc il reste plus qu'une petite manip. Donc déjà là vous avez la comète dupliquée. Voilà, direct vous sortez. Et là, vous allez appeler Martin. Voilà. Donc après, vous appelez Martin. Vous demandez une activité. Maintenant, vous avez juste à attendre un petit peu. Hein. Quelques secondes. Hein. Voilà, dès que vous avez la mission de Martin, vous l'acceptez. Voilà, donc ça prend quelques secondes, hein, donc c'est vraiment pas long, voilà, ça s'est déjà lancé. Et là, vous allez arriver dans le menu de l'activité. Donc à ce moment-là, il va falloir être pas rapide, parce que c'est vraiment simple. Vous avez juste à quitter. Et là, votre véhicule va apparaître juste devant vous. Donc à ce moment-là, après, la manip n'est pas finie, vous allez dire « Oui, mais on rentre le véhicule dans notre garage et c'est fini. » Et non. Parce que si vous rentrez le véhicule dans votre garage, et bah... avec toutes les pièces qu'il y a dessus, c'est une voiture identique à celle qu'il y a dans le garage. Donc vous avez juste à changer la plaque d'immatriculation, la couleur ou le moteur, je sais pas quoi, et pour qu'elle soit pas identique. Moi pour ma part j'ai juste à changer la plaque d'immatriculation. Moi je la mets en bleu, hein, comme la couleur de la voiture. Très simple et pas cher, efficace et pas cher. Donc après vous allez dans plaque, je mets la bleue, vous quittez. Et là le glitch est terminé. Donc regarde, après vous allez juste aller dans le garage. Et vous allez voir que vous allez avoir vos deux comètes. Ou vos deux voitures que vous avez choisies. Bon, à part c'était la comète. Voilà, j'entre dans le garage. Voilà, ça me fait rentrer. Et voilà, donc j'ai ma comète ici. Et mon autre comète ici. Donc je vais les mettre à côté. Non.
Voilà, donc les deux comètes. Et celle-ci. Voilà. Donc maintenant, voilà. Donc, moi j'avais déjà dupliqué la Zentorno. Et j'avais déjà dupliqué les comètes. Panto. Panto modé. Et maintenant, j'ai les comètes. Donc voilà les gens, donc c'est vraiment un glitch hyper efficace. Donc comme je viens déjà de vendre une voiture, donc je peux pas aller la vendre. Mais sinon, si vous le faites avec la Zentorno, franchement je peux vous dire que vous allez rapporter de la blinde de thunes. Donc vous vendez à peu près toutes les 45 minutes. Et hop les, bah vous allez avoir vraiment plein d'argent. Donc voilà les gens, donc j'espère que ce petit glitch, enfin ce petit et ce gros glitch vous aura plu. Et moi je vous dis ciao, bye bye les gens, peace. Et dites-moi si vous en voulez encore. Allez, peace. Yeah.